À moins d'un coup de foudre. Non, moi, je crois pas à ça. Ben, en tout cas, si ça existe, ça dure pas. Qu'est-ce que t'en sais? Puis toi? Vas-tu encore nous parler quand tu vas être une grande vedette? Je vais vous présenter à la terre entière. Voici mes meilleures amies. And this is a song especially for hers. For them! Oh! That's it, for them. Yes, madame. Là, on a manqué la sortie! Arrête! Qu'est-ce que je t'avais dit? Ben, c'est parfait, ça! Organise-le pendant l'été, puis tu le proposeras juste à la rentrée. Bonne journée, Garba! Mais, je suis sûre que... Les amis, mon bureau, c'est pas un centre d'achat. Hein? Vous pouvez pas entrer comme ça quand ça vous tente. Ah oh, non. Je suis pas en train de vivre ça, moi. Non, mais Annabelle, j'en ai trouvé un autre. J'entends rien! J'ai changé d'idée. Mais quoi, ça arrive à tout le monde de changer d'idée. Tu peux organiser ton concours d'épilation CDL. Mais à condition que tu me laisses participer, je veux prendre ma revanche. Ah ben, pas de problème. Merci. Ça me fait plaisir. OK, c'est tout, tu peux y aller. Tu sais, quand la mère de Gary Bob, elle disait 600 $ tout inclus, elle voulait dire avec les électroménagers. Ah. Sans le chauffage, ni l'électricité, ni rien. Ni rien. Ben, OK. Tant pis, d'abord. Attends, là, je comprends pas. T'as pas envie de m'assassiner? Ben oui, mais en même temps, c'est quand même moi qui ai décidé d'envoyer promener l'autre proprio. Qui va là? Quoi? Tes parents m'ont confié ta responsabilité. Faut que je leur rende des comptes, hein? Un chum de gars, nos problèmes, hein? Ben, je dormirai sur le sofa. Ben, on a fait le sofa, entre autres. Oui, sûrement. Il n'y aurait pas de cochonnerie, hein? Tu vois ce que je veux dire? Alors, il n'y a pas eu de cochonnerie, c'est beau, on peut. Non, t'sais? Non, juste du sexe. C'est vrai qu'on a mangé de la pizza après, là. Est-ce que c'est quelqu'un du bureau? Oui, oui, justement! Hey, tout le monde! J'ai couché avec quelqu'un du bureau! Ah, OK, super, right. C'est... Hey, avise-toi même pas de recommencer. T'as rapide de pogner Sam, tant qu'à ça. Wark, non, t'es bien une paix. Ah non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas été à l'université! Non, parce que c'est un trou de cul qui a une face de rat. Hey, traite pas mon assistant de rat avec une face dans le cul. Non, parce un trou de cul avec une face de rat. Same thing! Ben non, justement. Hein, Sam? Est-ce mieux avoir une face de trou de cul ou une face de rat? Ton père, comment il va? Il passe son temps à travailler. La plupart du temps, il part avant qu'on se lève, puis il revient quand on dort. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucina puis Joseph? Entre nous autres, on peut tout se dire, tu sais ça? Allô, papa? Allô? Wow! Ah, si. Ah, oh, Marie-André est partie. Elle m'a laissé. Oh, j'aime pas ça de voir triste. Non, c'est correct. Au moins, ça va très bien au travail. Toi, ça marche? À 7 heures, je serai jamais prête, voyons. Hein? Non, je parle à Tania. Je voulais te remercier pour... Pas. C'est à toi que je parle. Hein? Oui, allô, oui, attends un peu. Je viens pour te remercier pour mon voyage à New York. C'était méga trippant, là. C'est le plus beau cadeau que tu m'as fait de toute ma vie. Ça m'a fait plaisir. Ah non, pas lui. Inquiète-toi pas. Je resterai pas comme ça. Le docteur me l'a juré. C'est vrai? Juré craché. La fête à grand-maman, en plus, gage, c'est pas son anniversaire. Ça t'arrive jamais de désobéir? Pas besoin. Tu le fais pour deux. Non, je pense que vivre dans une nouvelle ville,
Ça va être une belle expérience pour moi. Maman? Faute. Papa. C'est un accident. Fa, tu me présentes pas ta nouvelle amie? Quelle amie, c'est pas? Maman? Pas bien comme ça. Mais j'étais là, Sarah, chaque fois que tu le veux! J'étais là avant toi! Un pis! Oh putain! J'ai pis! Un bouillard! Connard! Un full fru! Karine, les quantités sont négligeables. On veut juste savoir qui. La dope vient de ma mère. Bon, je peux-tu y aller, là? T'es fatigante. Mais non, voyons donc, je m'intéresse à toi, à ce qui se passe dans ta vie. Ah oui? Depuis quand? Faites-vous exprès pour qu'elle est tombe amoureuse de vous? Pardon? Vous vous êtes pas vue avec elle? Comment vous lui avez parlé? Comment vous l'avez regardée? S'il vous plaît, Nathalie. Il m'avait dit que j'étais unique. Pourquoi il dit la même chose à elle? Il avait pas le droit! Oh, s'il vous plaît, calme-toi. Demain, ça devrait aller mieux. Mais pourquoi il m'en veut tant que ça? J'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire pour bien guérir, pour reprendre ma vie en main. Non, c'est correct, j'ai compris. Je ne dérangerai plus. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Et je vous promets de continuer à faire mes prières tous les jours, de me confesser une fois par semaine. Et j'aimerais bien gros aller tenter ma chance à Montréal. Mais quoi? Je dis juste que mon désir, ça serait qu'au printemps, ben. J'aimerais ça aller tenter ma chance à Montréal. C'est sûr que c'était dans mes plans de t'amener chanter à Montréal, mais d'ici d'une couple d'années. Regarde bien ce que j'ai pensé. Non, papa, c'est toi qui vas m'écouter. Là, je suis rendue assez grande pour savoir ce que je veux puis aller chercher moi-même. Attends, je vais te dire, je vais t'amener d'ici d'une couple d'années. Mais sans toi, papa. Chante-nous donc quelque chose. Alice avec un Y. Connaissez-vous la chanson de Tipi Tipitine? Bon, jouez-moi le refrain à tempo. Vous, quand je claque des doigts, le projecteur sur moi. OK. Tipi-tipitine, tipitine, tipi-tipitong, tipitong. Plus il me serra au creux de ses bras et j'adorais ça.